Beautiful. Alors, il est possible qu'on finisse la quête principale aujourd'hui de FF1. Ou pas d'ailleurs, je sais pas, on verra. Bah, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas dernier live parce que je prends bien le platine. Hein. Des platines faciles comme ça, on va les prendre. Merde, c'est que j'ai enlevé les combats aléatoires. Faut que je les remette. Et Rosseran. Oh, une licorne fauve. J'en ai déjà vu, je crois. Oh, il a éclaté. Non, je crois qu'ils sont tous ces blancs là. Je crois que j'ai tout mangé de mon côté. Ah, roi momir. Ah, attendez, ça c'est pour Ploutrae ça. Lumen X. Lumen Plus, on va voir si c'est à one shot. On va partir du principe que c'est à one shot. On va voir ça. Putain, t'as 513 points de vie. Hein. C'est une tank d'ouf en fait là. Alors, Ploutrae là. One shot ou oh, not one shot. Oh là là, trop fort. En fait, trop fort. Des pyrolyses, j'en ai déjà vu ce truc là. Vous avez l'avantage, ok. Donc ça veut dire. On va leur éclater la gueule. Qu'est-ce que tu peux faire là au foudre? C'est les pigeons, ça aime pas la foudre. Oh, trop fort, Azelos. Putain, Nata, tu tapes comme une route, hein. Plus fort qu'Azelos. Tu es Mightier Casello, sache-le. Pas mal. Mais toi, c'est tout rien. Un coup, tu perds un point de vie, un coup, 300 points de vie. C'est... Et je sais pas pourquoi. Hein. C'est ça qui est beau, c'est que j'ai pas la moyenne de pourquoi. Oh, dragon vert. Personne n'a idée. Non, on peut faire un petit soin basique sur Azelos. Plutôt gros fragile. Dragon vert, ça n'a pas aimé le feu, ça. Oh bah tiens, Azelos il a pris une autre. Bah ça tombe bien, un soin qui arrive sur lui. Ouais, c'est pas dingue ça. Oh le Stromon Nat. Donc j'ai vu, je crois que le niveau max est niveau 50. 30 et les boîtes. Après là je suis... Oh. Ok, ça c'est un boulot pour Ice Case ça. Faut de plus, ça devrait aller je pense. Niveau 30, mais là je suis en XP feinte et je suis en poulet juste pour ça, d'ailleurs que je galère un peu plus sur les fights, mais c'est cool de galérer quoi, enfin, ça m'oblige à être un peu plus stratégique. Putain, tu te fais bourrer, mais tu prends... Allez, vas-y, escape. Pigeon grillé. Non mais cette tête, elle a tout appris de Maverick. Hein. Les Roshibo. On va débloquer un peu les combats là. La suite du jeu. Pour résumer, j'ai fait... donc, tu sais, je devais redonner l'éclat à 4 cristaux. J'ai fait le cristal de terre, le cristal de feu. J'ai une piste pour le cristal d'eau et c'est peut-être dans cette caverne. J'ai fait... En gros, j'ai été dans le... Alors, je dois trouver la pierre de Rosetta. L'année à Une, qui parle donc la langue du Loufénien. C'est avec Lupila, Guédémo, je sais plus quoi, là. Et donc je dois trouver la pierre de Rosetta, et je soupçonne qu'elle soit dans cette cascade. Parce que c'est une des rares zones que j'ai pas encore visitée. Simplement. On est dans une... Oh bah oui, bonjour. Tout à fait. Oh, il y a tout là. Alors attendez. Natas Azelos fait de l'eau. Ploutrae là. Il va nous faire un petit Lumen Plus là-dessus. Et Aiske, il va nous faire un petit Foudre Plus sur tout le bazar. Et coucou Niben. Ah, merci pour le follow Chico. Je peux quand même aller voir. Tac, tac, ok. Merci à Ashram et Chico pour les follow. Shishko. Ou Shishkao. Merci à vous pour les follow, les gars. Bienvenue. Bon, le Lumen Plus n'était pas nécessaire en fait. Je pensais pas que le foudre allait moins chauffer Mimi aussi. Hein. Très bien. C'est pas grave. Ok, ça la sent. On va d'abord ouvrir. Ça sent coffre piégé. Butin, schizo, sceptre. Ok. C'est pas trop chelou comme loot. 13 000 gills. Oh putain. 6400, 5000, ah oh, c'est la thune là. Défenderesse, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Attends, on va aller voir. Alors optimal nat. Non, t'es déjà au top. Azelos aussi, ici aussi. Ok, tout le monde est déjà au top. Coucou Tony. Je vous attendais. Prenez ce rock, Tiamat, forteresse volante, s'il vous plaît.
Ah, ça va être un truc important. Rogue Stellaire, merde. Je sais pas à quoi ça sert. On va voir. J'ai déjà les cristaux, hein. Le but du jeu c'est de leur redonner l'éclat. J'ai déjà. Pss, pss. Ah, c'est un robot. Pss, pss. Y'a rien d'autre ici, hein. Non, ok. Parce que là j'ai eu plusieurs items où j'ai pas la moindre foutue idée à quoi ils servent. Donc là j'ai le Rogue Stellaire, une pierre dans une substance multicolore. La queue de rat. Alors ça ils en ont parlé par contre. Faut que je trouve le roi des dragons pour lui donner. Ok, visiblement ça l'impressionne. Bon, c'est un mec simple, hein. Salut Mr. Bad Pugai, j'ai l'aérolite, pareil, je sais pas non plus à quoi ça sert. Le reste, on s'est déjà utilisé. Alors si, non, ça c'est un vaisseau que j'ai eu. Non, Siri, tu vas pas aimer le... Ouais, j'habille, hein. T'as essayé, t'as pas aimé. Tu veux, tiens. Ouais. Elle le regarde en mode. Bah ouais, hein. Non, bah, tu veux pas ça? Bah non, bah voilà. Imagine la taille du rat pour pouvoir impressionner un dragon. De ouf. De ouf. Bienvenue à vous sur Iskan Rush. Pour ceux qui n'avaient pas encore regardé mes conneries. Faut que je vous raconte l'histoire quand même, pas en charme. Parce que là, donc j'ai eu un coup de fil pour ceux qui ont suivi. Et merci, Selendil pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Pour ceux qui suivent un peu mes aventures notariales, là il vient de se passer une... On est à la saison 7, c'est ça. Le call que j'ai eu tout à fait. Tu es nouveau, nouvelle, c'est lundi parce que ton pseudo ne dit rien sur ma chaîne principale. Donc, bienvenue à toi. Et si je t'ai oublié, si t'as un ou une oublié la chaîne principale, bah désolé. Ou alors viewer, vieuse de l'ombre, là j'ai pas rien. Donc ouais, donc là, ma notaire m'a appelé. Alors il y a la succession qui dure 3 plombes, ça c'est encore autre chose. Mais, donc pour ceux qui ont suivi, vous vous rappelez que j'ai vendu donc ma maison que j'avais dans le sud à des acheteurs qui étaient particulièrement casse-couilles. Attends. Voilà. Donc tu vois, en fait là j'ai utilisé canopée pour remonter, mais ça, je peux aller que dans la cascade. Donc là ça m'a permis d'avoir le Rogue Stellaire, donc je sais pas ce qu'il y a. Bon, je vous raconterai les acheteurs après. Désolé pour le petit teasing. Siri! Non! Selvige, j'y suis déjà allé. C'est les Loufénias ou c'est laquelle celle-là déjà? On lac. Regardez mes jambes. Ah si, c'est les fans des jambes, c'est vrai. Ah, je fais une blague. On a des caravaniers sous colline, il y a quelque chose de très étrange à vendre. Attends, faut que je revienne ici. Attends, y a... poussez-vous, j'ai pas très un seul poisson. Quand je vais pour manger. Ah, vie de merde. Hein. VDM. Hein. Ah, il y a des trucs. Ah oui, en bas, il y avait. Tu sais, il y avait la meuf avec le scaphandre. Après, tu sais pas à quel point tu leur mets, toi. Le dragon, lui, voilà, en pèlerinage à Stadel. Lui veut la reconnaissance du roi des dragons, il faut la marque de courage. Et là, justement, la queue de rat, ça dit bien que c'est que j'ai fait preuve d'un courage incroyable. Ah, comment voulez-vous que je parle d'objets brillants que j'ai vu? Près de la caverne au nord. Sorte de créature mécanique. Bah, c'est le robot à qui j'ai parlé, ça. Ok, donc ça, j'ai fait ce truc-là. Parce que là, c'est un robot qui faisait bzz, 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 bzz. Pour essayer de sauver les sirènes, je construis sous ma rampe, ça rend un tonneau. Ouais. L'invention est utile et dangereuse. Trop de tension avec le teasing. Ah, c'est assez rigolo. Pour battre un dragon, rien de mieux qu'un âne. C'est pas faux. Il y a 200 ans. Allez, je vous en prie. Aidez-nous à redonner cette splendeur à notre ville. Ok. Et merci, Lou, pour le raid. Les acheteurs sont pas contents avec la maison de Bandol. Ils ont un problème. Mais ils ont beaucoup de problèmes, je pense. Hein. Mais ils arrivent à trouver des problèmes et à inventer des trucs. Il paraît que le palais englouti rempli de richesses inestimables. La légende parle de gènes, d'or. Ok. J'allais sur le peuple du ciel utiliser une langue appelée Lufénia. Mon frère Rune, voilà, est passé par cette dialecte. Il lui faut donc la pierre Rosetta, ça j'avais lu. Pour justement le traduire. Ok. Alors. Ok, donc, ils ont acheté la maison. Ils ont voulu creuser une mini piscine dans le terrain. Pas une très bonne idée en soi, j'avais déjà regardé. C'est trop compliqué. Bon. Ils ont voulu faire une mini piscine. Pas de chance, en creusant dans le terrain, ils sont tombés sur des canalisations pas prévues. Ou alors ils ont pas compris que c'est ça qui était prévu. Parce que donc sous mon terrain passe les canalisations des voisins. C'était prévu, c'est dans l'acte de notarial, tout le bazar. Non mais le jacuzzi c'est un... Mais non c'est pas un... Enfin c'est... Bref, collard, le bon sens, réfléchis. Donc, le jacuzzi il est pas creusé, tu m'as vu dedans bordel. Tu l'as vu le jacuzzi. Et donc, il creuse les canalisations. Pour la petite blague, il contacte la notaire en disant ouais, on a reçu du courrier pour monsieur.
Est-ce que vous pourriez donner son adresse? Alors, elle leur dit non. voilà, je connais pas son adresse. Écoutez, déposez-moi directement le courrier. Il voulait m'envoyer un recommandé, ces bâtards. Donc, ils l'ont envoyé le recommandé au final, donc à la notaire. Je vous dis, c'est vraiment des vices là. Hein. C'est vraiment de la saloperie, ces acheteurs, putain. Et donc, ils ont envoyé un recommandé à la notaire en disant. Alors voilà, on a voulu faire donc une mini piscine. Sauf que. Non, ils peuvent pas ça. Sauf que. Donc, on est tombé sur les canalisations. Ça appartient visiblement donc aux parcelles 541-543. On sait pas. J'ai demandé aux voisins. Ah oui, après enquête de voisinage, j'ai demandé aux voisins. Visiblement, tout le monde est au courant. C'est donc de l'autorité publique. Et c'est donc, de ce fait, un vice caché. Alors, veuillez prendre contact avec nous. Veuillez revenir vers nous. Pour essayer de régler ça à l'amiable. Genre en fait, voilà, ça va être payer nous la piscine. Alors, bande de vieux tarés, ça marche pas comme ça les gars. Une enquête de voisinage, c'est pas un fait d'autorité publique. Bon, alors pour la petite anecdote, évidemment, j'étais pas au courant. Je ne suis pas un arnaqueur. On a repris avec ma notaire, donc les... Les actes en fait. Il n'y a aucune servitude, rien qui manifeste ça. Donc il n'y a aucune manière en fait pour nous de le savoir. Donc vice caché, je rappelle, hein, c'est que la personne qui se plaint doit prouver que j'étais au courant du truc. Voilà, bon, j'étais évidemment pas au courant, personne n'était au courant visiblement, très bien. Sauf l'enquête de voisinage, PTDR. C'est ça. Donc bon courage pour prouver quelque chose qui est faux, en fait, il va falloir qu'ils arrivent à prouver que j'étais au courant d'un truc dont j'étais pas au courant. Eh, franchement, s'ils y arrivent, ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bref, et globalement, je pense qu'ils veulent que je leur paye leur piscine, donc ils peuvent bien les faire enculer, évidemment, étant donné que je n'ai rien à me reprocher. Mais c'est toujours sympa de voir que ça reste des pourritures de bout en bout, ces acheteurs. Voilà, voilà, pour la petite anecdote, c'était une partie du coup de fil. C'est toujours sympa. J'aime bien de dire, qu'il se noie dedans. Ok, donc la caverne au nord, j'y suis allé. Ça en est bon. Ça en est bon. Ah. Le coup de fil a eu lieu quand? Là, il y a une heure. C'est pour ça que j'ai 4 heures. Ok. Merde, c'est pas une plaine, c'est un désert. Et je sais plus si je suis allé. Oui, il y a plusieurs inconnus. Par exemple, il y a cet enchaînement de trous. Mais je peux pas me poser. Tu vois? Ah si, là, je peux. Ah bah voilà. Bah. Grotte du dragon. Ah bah voilà. Ah, vous ne craignez pas, votre courage est grand, humain. Oh, je sais pas si mon courage est grand, mais on fait ce qu'on peut. Butin, tente, très bien. Bon, en tout cas, on a trouvé un autre truc. Et si l'on vise caché, il y a combien de temps après la vente pour pouvoir être découvert? Je précise qu'il y en a aucune idée. Non mais enfin, j'ai rien à me rebaucher, donc 5. Tu vas répondre aux commandés. Non. Ce que va faire ma notaire va prendre contact avec leur notaire pour leur dire écoutez, vous êtes mignon, voilà tous les actes, voilà toutes les preuves. Y a rien. C'est pas un vice caché. C'est ça. Et en gros, s'il y a un truc qui vous plaît pas, bah écoutez, voyez ça avec les propriétaires des parcelles, c'était pas moi initialement. D'autres parcelles en fait sur lesquelles il y a les canalisations. Et cordialement, niquez vos races. Voilà. Bon, ça je rajoute. Mais par contre, tout le reste est vrai. Hein, ça qu'elle va contacter le notaire pour leur dire en fait que. Enfin, c'est. Il y a rien quoi. Non, non, c'est juste que je me balade parce que je voulais provoquer un combat. Dragon, ils ont pas l'air de... Je pense qu'ils aiment pas la glace. Ah bah non, ils sont la glace, merde. Là, ils sont juste récents, tout le monde, ok. Salut Pookie. Un Pookie sauvage apparaît. C'est 2 ans le vice caché, ok. Ils sont dans les délais. Non, non, mais enfin, y a pas de vice caché, donc... Pour essayer de trouver, pour gratter un truc. Parce que je pense que le oui, c'est possible. Mais ça, c'est quand même avec les arnaques par téléphone ou autre, quoi. Putain, c'est la merde. Ah bah, je vous donne, hein, je veux payer. Tu vois. Oh, mais... Mauvais client. Alors. Donc, ouais, c'est des tout petits trous en fait. Il y a des coffres au bar Toulon, on va aller voir ça. Jadis, les terres du Nord regorgeaient de temples florissants de châteaux mécaniques, mais c'était il y a bien longtemps. Ok.
Il y a plein de dragons. Il est rare que les humains osent s'aventurer ici. Si vous devez en guerrier, vous devriez parler avec Bahamut, notre roi. Ah bah tiens, Bahamut, faut que je parle avec toi, Zulan. Arrête ton cul. Putain, Alexia. Ok. Et donc, le roi, je vais l'impressionner parce que j'ai déjà eu la queue de rat. Les dragons des îles, le gardia, sont tous sauf des bêtes sauvages. Oui, effectivement, vous nous attaquez pas et vous papotez. Donc, effectivement, vous avez l'air plutôt civilisé. Du coup, ça augmente. Non, du tout. Non, Manoté, on est potes hein, là-dessus. Pas de problème. Non, que là, le. C'est le SAV notarial. No joke. Il est rare que les humains aient aventuré ici. Ah oui, merde. Ok, j'ai donc fait le tour ici. Tac, 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 tac. Yes, je peux me tailler. Ok, donc on va faire toutes les îles, tous les trous en fait. Je suis à la enquête. Non. Je suis en quête de trous. Ah, je suis trop pauvre, hein. T'es trop. Non, comment ça s'appelle déjà? Je sais que t'as un vrai problème, hein, mais. Enfin, t'as beaucoup de problèmes, mais. Alors pour le coup, tu sais qu'à la fin sur. Ah, en Kaeli, donc c'est la région avec plein de trous, ça me gênait un peu aussi, hein. 7 heures de jeu, Pookie. Elle a déjà vu ce profil d'acheteur? Non. Personne. Leur notaire à eux voulait plus d'eux. Tellement ils sont insupportables. Autrefois, il y a très longtemps, les hommes et les dragons vivaient paisiblement ensemble. Ok. Bon, c'est cool. Merde, je pensais qu'il y a un truc là. Je peux dire ça, Pookie, de toute façon. 7h12 de jeu. Et je suis à peu près à 75% de l'histoire principale. Sans compter le truc secondaire. Que je sais pas si j'en ai fait ou pas, enfin j'en ai fait mais je. Enfin je sais même pas en fait. Dans le sens où y a pas marqué que c'est secondaire, tu vois, c'est une narration à l'ancienne, hein, donc on sait qu'est-ce qu'une quête, qu'est-ce qui est pas une quête. Pff, tu te démerdes hein. Pour le coup toi tu kifferais hein, c'est en mode pur explo. Tu cherches un truc, y a pas de points, y'a rien du tout, hein, c'est à 35 ans hein, donc c'est démerde-toi. Oh, plein de coffres. Potion X. Ah, vous avez commencé à devenir, les popos. Seuls les plus braves d'entre nous peuvent obtenir un véritable marque de courage. Mais c'est une queue de rat, les gars. Après, c'est que j'ai dû triompher de la CLL de l'épreuve. Ça, je l'ai fait, mais. Tu te rappelles pas, on a monté un petit tour ronflé, peut-être. J'ai dû monter une grande tour. Il y avait les TP, tout le bordel, il y a eu des boss, tout... enfin, il y a plein de trucs. Bon, pas. Tu ronflais. C'est la bière. C'est bon, la bière. Bah oui, mais donc à un moment il doit y avoir un trou qui mène à un autre sous-sol. Faut trouver le bon trou. Il n'y a pas de bon trou. Attends, je l'ai fait ou pas? Ah, il y en a deux là. On n'a pas vu la taille du rat. C'est vrai qu'on a eu la queue du rat, mais on n'a pas vu la taille du rat. Avez-vous parlé à notre roi Bahamut? Les vrais braves reçoivent l'honneur suprême du roi des dragons. Bah, j'aimerais bien le trouver, votre roi en fait. La tradition veut que chaque dragon parte au nord-est pour explorer la sielette de l'épreuve. Ça, je l'ai fait. Il doit tenter d'obtenir une marque indéniable de son courage. Oui, c'est ça, je. Oui. La forme qui revêt la marque du courage varie avec le temps. Les apparences sont parfois trompeuses, vous savez. Ah! Donc la queue de rat est trompeuse. Vous avez goûté l'autre limonade magique? Pas encore. Là, on a besoin de on a besoin de limonade qui nous fait du bien au Kokoro, là. C'est ça. On a besoin de limonade avec du pourcentage d'alcool dedans, là, Lou. D'après ce genre de coup de fil. Mais le jeu est top, hein, Lou. Pookie. Par contre, je sais que t'arrivais pas à comprendre quand je disais en. Merde, en textuel. Donc je vais expliquer là en vocal. En fait, en gros, le jeu à l'époque était bourré d'aller-retour, d'accord? Donc par exemple, tu voulais... excuse-moi, par exemple pour toi. Tu voulais... j'ai fait gagner des trous. Tu voulais aller, je sais pas, dans un donjon, tu devais faire des allers-retours entre la ville et le donjon. Insupportable. C'est genre, t'es bas en vie, t'as plus de potions, bref. En early game, c'est un enfer. Et donc là, ce que tu peux faire, t'as plusieurs choses. Déjà, tu peux faire en sorte que ton personnage court. Chose déjà très très bien. Mais au-delà de ça, tu peux aller dans ce petit mémoire, dans ce petit truc-là, justement les fonctions. Tu peux supprimer ou activer en un clic les combats aléatoires, pour être tranquille. Tu peux booster l'XP si tu le souhaites, et booster la thune obtenue. Comme ça, en fait, tu n'as que le plaisir du jeu sans les emmerdes. Ce que j'ai donc fait direct. Je sais que toi, tu vas sûrement bloquer, ça va te perturber. C'est ça. Imagine t'es bas level, en fait, et tous les combats te prennent une plombe, te mettre en danger, tu vas faire les allers-retours entre la ville et tout, enfin c'est l'enfer. C'est ça. T'as pas la thune d'acheter les popos, rien, enfin c'est l'enfer. Donc, mais c'est normal le jeu à 35 ans. C'est pour ça que là, les pixels remaster sont vraiment top et sont plus rapides que le jeu à l'époque parce que tu peux juste te concentrer en fait sur la progression dans le jeu. Et c'est très agréable. Oh là, ça sent bon là. Ouais, mais regarde, t'as vu le gueule du couloir? Ouais, voilà.
Waouh. C'est toujours de bon augure ça. C'est des épées. Non, on voit bien le manche. Ceci est la chambre de Bahamut, le roi des dragons, survive aux manières. Le regard du roi des dragons plonge au plus profond de nous pour mesurer la sincérité de notre courage. Oh, il est stylé. Franchement, même en pixel, il est stylé. C'est ça, Pookie, en fait, parce que l'original, ça aurait... c'est pas grave, tu vois. J'ai l'impression que tu blagues un peu dessus, mais vraiment, hein, c'est pas grave de faire des allers-retours. Hein. Depuis bien longtemps, j'attends que le courageux humain se présente devant moi. Votre bravoure est telle que vous méritez toute mon attention. Ok. La queue de rat que vous portez est une preuve irréfutable de votre vaillance et de votre force. Ainsi soit-il, laissez-moi vous conférer des titres dignes de votre véritable valeur. Oh là ! On a changé d'apparence. What the fuck? C'est genre level up de classe? C'est quoi ce bazar? Symbole de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bahamut vous a conféré des titres dignes de véritable valeur. Restaurer l'éclat des cristaux. Oui, ok. Oui. Ok, c'est la même chose. Il se passe quoi là? Attends. Ok. Ah, on a évolué de classe. Maintenant, toi t'es un paladin. Ninja. Azelo c'est plus un voleur, c'est un ninja. Toi t'étais une guerrière initialement. Poutra, ils sont passés de mage blanc à sage blanc et moi de mage noir à sage noir. Ouais, c'est comme, FF14. Non, comme FF pour le coup. Hein. En vrai, on a évolué de classe quoi. Ah oui, voilà, et maintenant je peux. C'est pour ça que maintenant je. Ouais. Les nouveaux sorts. Et c'est comme ça que je vais pouvoir utiliser les nouveaux sorts, effectivement. Bon, toi tu gardes. Mais grave, t'es en mode Schwarzy là. Vénère de ouf. Salut Vince. C'est que je cherchais dans les plages, j'avais pas trouvé. Parce que j'ai utilisé au début en fait rapidement et puis voilà, ok. Ok, ça change pas le stuff. Putain, et moi maintenant j'ai le schizo-sceptre. Je sais pas comment je vais le prendre. Ah, c'est trop stylé, il y avait une évolution de classe dans le jeu. Et donc Bahamut, il date du premier opus. C'est génial en fait. Je trouve ça génial par contre. Vous voyez en fait, c'est pour ça que je suis ravi de faire la vue FF. Parce que je trouve ça fabuleux de voir à quel moment ils ont créé. Déjà le lore en fait des FF, vous voyez, d'où vient Bahamut, d'où vient les classes. Bon, on n'a pas encore vu Chocobo, je crois. Chocobo était pas encore là, mais bon, dès le premier FF, en vrai, il y a plein de trucs. On a déjà quand même, voilà, on a les classes, on a Bahamut, on a le vaisseau, on n'a pas encore vu site pour le coup, mais c'est vrai qu'on a vu déjà pas mal de choses classiques des FF en fait. C'est trop bien.